Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel on joue les jets et on est en difficulté normale. Ça commence sur les chapeaux de roue, une armée ennemie a atterri dans votre territoire! Ouais, une petite armée ennemie. Pas grand chose, hein. Eh ben, c'est simple. Et du monde appelle plus Deva. Voilà. On est du monde Antea. On va rapatrier notre groupe à Nicomédia. Ah, ils peuvent attaquer Pella. Au cas où. Oh, quoi que Pella, attends. Là j'ai des balistes. On va voir. Mais je pense même pas avoir besoin de défendre et puis au pire elle tombe. Elle tombera mais pour mieux défoncer on peut dire. Hein. Une armée Galate. Bon, une ville pour une armée. On reprend d'ailleurs la ville, hein, évidemment. Je trouve ça plutôt rentable. Ok, les Cimériens, ils sont... Donc ils reprennent la route de l'Est, ça c'est bien. Ils bougeront pas. Ok. Je vous souhaite la bienvenue. Ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. Enfin, j'ai pas beaucoup d'alliés. Hein. Ah, la Ligue étrusque. Ah, ils se font prendre par la Ligue étrusque. Oh, je rigole. Oh, tellement je rigole quoi si ça fait comme ça. Alors, Doudouloupe, dynastie jette, rétablir l'héritage, les héros de la mort, on va faire hop, noble prêteur, c'est bien. Et je vais recruter, aller, ouais, des monos mercenaires. Hein. Oh, ça coûte cher, ça coûte trop cher. Entretien, c'est compliqué, là. Hein. C'est très compliqué, l'entretien. Quoique, en vrai, pas plus cher que le reste, hein, donc bon, bah, quelques molos mercenaires. Molos, je ne sais pas. Bon, ça suffira. On va pas prendre grand chose d'autre. Hein. Ça suffira. Hein. S'ils veulent attaquer, bah, ils l'auront dans le baba, de toute façon, dans tous les cas. D'une manière ou d'une autre. Hein. D'une manière ou d'une autre, j'ai dit, j'ai l'impression. Je préfère dire d'une manière ou d'une autre. Parce que d'une autre. Pas ouf. Donc on peut voir, hein, il s'est réfugié là sur. Au sud. Ça me va. Donc je vais avancer en embuscade. Hop, je vais faire une double embuscade. Voilà, comme ça on sera tranquille. Allez, plus de ruse et frénétique. J'en ai plus besoin. Voilà, ça fera 1500 d'or par tour en plus. On pourra tout de même monter une petite armée avec. Hein. Ok, ici on est bien. Si on est bien. Ah ouais. Ah ouais, il y a encore des coins où on n'est pas bien. Clairement, il y a des coins où on n'est pas encore bien du tout. Hop, Sarmatia. Samartia, pardon, j'ai dit Sarmatia. N'importe quoi. Samartia. Il manque pas grand chose.
c'est le bordel là-bas. Couche, Carthage, Nova Carthago, Arverne, les Italiens, Cantabre, Ligurie. La Ligurie qui est revenue. Ah là là, ma taille. Je m'entends bien avec. Oh, avec Pormont en fait. Bon, les Vénètes en soi, je m'en fous. Hein. Pas de votre vie, les gars. Ah, les Ligurie, je les ai pas. Je les connais pas trop encore. Enfin, je les ai même pas vus du tout. Voilà, beau parleur. On va enfin un petit peu augmenter nos relations. Voilà. Et là, on est mieux. Ah ouais, on sera mieux le tour d'après. Parce que là, aversion culturelle, moins 15. Et je pense que le tour d'après en aversion culturelle, on devrait être à moins 5. Forcément, ça remonte un peu dans le positif, c'est pas mal. En parlant d'agents, je peux monter 3 autres agents, il me semble. Je peux recruter. C'est dégueulasse. Non, ma chérie, ça restera votre petit secret. Je peux recruter des agents. Ah, les lames, elles sont malades. Ok, c'est pas chez moi, ça me va. Voilà, bingo. Et là, regardez, les gars. Et là, regardez ça. Coucou. Bah, pourquoi tu fuis? Bah, où vas-tu? Nion, supériorité, ultra supériorité numérique. Mode équilibré. Oui, je relâche, ça me fait de l'argent, c'est bien. Hop, a fini. Et a fini. Allez. On va emmener les fossoyeurs d'Hélène au sud, on va reprendre Hierapitna. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Allez, faisons un petit tour. Okay. Ouais, il y a de la nourriture à faire pousser. Hein. Tac, tac, tac. Ah. C'est... Déjà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus. C'est fini. Ok, ouais, les boucliers incassables, hein, c'est vrai qu'ils sont bien aussi. Oh bah. Ah bah, regardez ce que je vois là-bas. Ah bah, il y a le chemin, il est en mode venez, il n'y a pas de problème. Ben, on va faire comme ça, hein. Un pédier léger. Là. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas. Voilà. Qu'il n'y ait pas ça. Clairement, vu qu'il y en a. Une petite résolution automatique en mode protection. On pille et surtout on rase. Et là les gars, on est en plein chez eux. Et ça les gars, je vous dis. Oh c'est que c'est bon. Non, ça je m'en fiche. On va plutôt faire ça. Là on est en plein dans le territoire Galate, Ponte. Et là ils sont en mode oui mais non. Ah t'as la Galate, elle est partout hein. Tu m'étonnes qu'il y ait des unités hein. Oh le saligo tiens. Faudrait que je monte une armée aussi, que je lève une armée. Faut que j'arrête aussi d'utiliser le mot monter. Qui peut être très dangereux à l'utilisation. Hop là. Ça c'est un bon tour. Bah ils laissent leur capitale à découvert, c'est pas ma faute en même temps. Seuls les grands osent parler de paix avec leurs ennemis. Y'a que moi qui est en guerre contre eux. La mort. Allez. De chacun. J'accepte. Y'a que moi qui suis en guerre contre eux, bon. Allez, on va aller embêter d'autres gens ailleurs. Votre puissance. Non merci. Ma ouais, mais non, je suis pas en guerre contre eux, déconne pas. Ouais. À un moment, t'inquiète pas, j'y viendrai. Mais pas de suite. Allez, on va aller enquiquiner un petit peu le pont maintenant.
Donc, une petite marche forcée, les gars. Ça va vous faire du bien. Vite. C'est bien pour s'échauffer, c'est agréable. Alors, il y a quoi? Ouais, ça, je suis pas fan par contre. Allez, c'est parti. 8. On va envoyer du monde là. Voilà, comme ça. Il devrait éviter de nous voler un petit peu d'argent, des choses comme ça. Recrutons. Ah! Ouais, bon, on va recruter. Ici. Plus de nourriture volée. Plus de champ de vision, c'est parfait. Ok, là il y a quelqu'un qui l'accompagne, là il y a quelqu'un qui l'accompagne. Et ici je suppose qu'il n'y a personne. Eh ben on va recruter quelqu'un. Parfait. Alors une province dans laquelle... Wouah! Ouais, elle me rapporte 7300. Vache Tracia. Quand même. Énorme. Énorme. Taux de recherche. Faire ça. 7300 les gars. C'est abusé. C'est génialement abusé. Hein. Non, pas besoin. On va faire mieux de l'apprenti, c'est bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. On va même faire un puits de stockage. Voilà. Tellement on est bien. Eh ben, on va s'occuper de ponte. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, casse-toi. Non, mais. Voilà, hein, ça y est. Là, dès qu'on se met un peu mieux, ils sont tous en mode. Ah! Voisins en fait, et vous avez vu, hein, ça leur a fait vraiment du mal. Hein. Épidémie, octodurus, ça me va. Oh là, ça me va pas. On va recruter. Fumoir, ouais, là j'ai quoi là si je fais ça comme techno? Ouais, non, on va continuer ça. Pagus tribal, ah ouais, je peux faire les mines et tout. Allez, passe par là, toi. Non, tu veux pas. Bon. On va faire ça. Un bastion du roi suprême. Moins de coûts de construction. Moins de temps de construction. Et mine à écluse. Alors là. Niveau argent. Ni étrusque venette. Très bien. Ouf. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah, ça déconne zéro. Hop. Et ici, il me semble que oui. Alors, on va pas le faire comme ça, on va le faire après quand même. On va s'avancer tranquillement. Voilà, une petite embuscade. Voilà. On va affamer le Galate. Du moins au mieux que l'on peut. Vite. Ah, il manque pas grand chose, dommage. Au niveau de la portée. Là, faut le laisser se reconstituer quand même, le pauvre, il a pris un peu de tarif. tiens, d'ailleurs, je vais inverser l'ordre de position. Parce qu'il lui manque une unité, donc autant. Autant le faire recruter la dernière unité. Hein. Comme ça, il sera complet. Okay, là c'est un recrutement en cours. Là il a retiré son armée qui traîne dans le coin. Très très bien tout ça. Très 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 bien tout ça. Ça se profile plutôt pas trop mal. Non. C'est avec clairement je vais aller piller ces territoires. Enfin je vais aller piller les territoires là, de mes voisins avec qui je m'entends pas très très bien. Je vais me faire de l'argent. Je vais me faire le plus d'argent possible. Comme ça, je stabilise mes provinces.
Ensuite, bah, j'ai juste à reconstruire ce que je vais prendre. Grand incendie, super. Ah bah super. Parce que je vous ai dit que vous produisiez beaucoup, c'est ça? Hop là, et on s'avance tranquillement, voilà, pas besoin de se presser. Là, il y a quoi? Oh bah, il y a rien. Pas grand chose. Bonjour. C'est le nouveau voisin, comment allez-vous? On va piller 1700, c'est quoi ça? Oh, amasser des richesses un peu. Notre qui? Ah. Hop. On se barre. Et on rentre en Kria. Là, on va pouvoir recruter la dernière unité. C'était une unité de... de mort éternelle. Ah. Il va falloir attendre 3 tours. On attend 3 tours. 5000 ? Ah bah purée, ça déconne zéro ici. Hein. Oh la vache. Ouais, je m'y attendais pas là. Tu écris 5000 comme ça, c'est une sacrée facture. Hein. Ça allait. Attendez, je suis en train de voir. Même en Thracia, mais ah oui, mais voilà, j'ai pas les villes au max. Je me disais, attends, je suis pas en déche de nourriture, je produis plus de nourriture que en Thracia. Non. Ah ouais, non, j'ai mal vu, autant pour moi. En Thracia, ici, je produis moins de nourriture. Ça va. Deux provinces, ouais. Ça va, hein. Ok, là j'ai fait fuir la petite armée massilienne qui venait, ils se sont dit, ah, ils sont plus nombreux que ce qu'on pensait. Ah oui, les espions. Les espions, les gars, les espions. Ah, Ponte qui continue. Ah, Ponte qui... je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais il y a quelqu'un qui est bien là-bas. Ah, Bactrie, ils sont en guerre contre Bactrie. Ah, intéressant. Ça se trouve, je peux me faire un allié de Bactrie. Non, toujours pas. Parce que je vois qu'ils sont tous en guerre contre Bactrie. Il y a très moyen, oui, c'est ça. Il y a moins que je m'entende très bien avec eux. Ok. Libéré. Eh ben, dis donc. Eh ouais. Nagetrus a libéré Venette. Ici. Très bien. Allez, on va profiter, on va faire de la nourriture à foison. Le niveau, on est bien niveau bonheur, hein, je peux augmenter les taxes. Voilà, ça c'est très bien. Sergent d'entraînement. Oh, ah bah, c'est tombé tout seul, j'ai même pas eu besoin de les... La vache! Oh là, et ils ont les trois provinces là. Ah, ils avancent bien. Ah, c'est parfait tout ça. C'est une petite armée là que tu montes là. Que tu lèves ici. Eh ben, je vais pas te laisser l'opportunité. Ici, de toute façon, ça coûte rien là. J'ai beau les piller, c'est 1500, ça me rapporte rien. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Hop, voilà. Bon, là j'étais parti sur un truc pour la défense, mais bon, ça va pas me servir. Ils sont pas assez vigoureux dans le coin. Voilà, et en plus je leur vole énormément de bouffe là. Au Galate. Ça c'est bien. Ok, ça commence à baisser un petit peu là l'animosité. C'est une bonne chose. Moins 15. Ouais. Ça commence à être compliqué là aussi. Est-ce que des sécessions assez importants? Donc je vais lever une armée ici. Ouais, on va lever une armée. Et je vais l'envoyer, là j'ai vu qu'ils sont à Saint-Martyr. Ben, je vais l'envoyer à Saint-Martyr, mon armée. Et...
ça devrait passer. D'ailleurs, il ne peut pas adopter. Ah zut, 25 ans. Bon, de toute façon. Ah, super, je pensais au moins pouvoir le marier. Pas de chance. Oh, 5% de, plus 5 de chance d'avoir des enfants, c'est pas mal, hein. En vrai, là, lui, dès qu'il naît, on verra ça. Allez, là, je vais monter, je vais lever, c'est pas vrai. Je vais lever une armée le plus rapidement possible hein, au niveau de Hacking, Kistros, etc. Parce que la sécession c'est pour bientôt. Alors soit je fais ça, soit je lève des armées de mercenaires pas loin, mais en général le niveau efficacité c'est bof donc ah bon, eux ils ont la peste. Très bien. Allez, on sur nous, on économise quand même un demi-tour. Ok. 1, 2. Ça, et il manquera plus que la cavalerie. Comme ça, voilà. On a tout préparé. Ah, j'ai oublié là. Voilà. On va s'avancer, hein. Bon, on va s'avancer, on va aller à Trapezos direct. Hein. Tour prochain, on fait tomber Trapezos. On fait tomber la capitale des Colchides. Alors là ils seront un peu déçus. Pareil, la capitale. Ah bah non, la capitale des pontes, c'est Sinope de base. Mais. Sinope elle est très vite tombée aux mains des Dorsi, hein, mes alliés. Ok. Négocier. Ok. On peut voir qu'ils s'entendent mal avec Nabatée également. Tout ce qui est Galati, au moins Galati. On continue, c'est très bien, on pille, oh 2500, merde. Hop, et on rase, voilà, simple et efficace. Trapezos, on va quand même reconstruire des bâtiments, hein. Faut pas déconner. On va en abattre. Est-ce que oui. Ah, ils s'entendent bien avec Ponte. Bah, on va te faire voir. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai rien d'autre à dire. Là il y a encore deux tours je crois pour l'armée hein, ouais. Et là voilà, on complète celle-là également au cas où Massilia se réveille, mais je pense pas qu'elle se réveillera maintenant parce que je suis vraiment devenu beaucoup plus fort, surtout au niveau de l'équilibre des forces. Là, on voit au niveau équilibre des forces, là je l'éclate quoi. Et c'est pas à son avantage. C'est clairement pas à son avantage. Donc oui, il faudrait que je l'attaque, mais pas de suite. On va pas presser les choses. Presser les choses, c'est le meilleur moyen de perdre. Voilà. Et ça, ça vaut pour beaucoup de choses. Attention, je dis bien pressé, je dis pas d'être actif.
être actif à une bonne offre. Alors attention, je suis mauvais dans ce domaine, hein. N'écoutez pas forcément mes conseils, mais être actif dans une bonne offre, ce n'est pas forcément se presser. Mais se presser, c'est pouvoir faire des erreurs. Allez, industrie! Intrus. Comment ça, intrus? Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? Toi, tu vas dégager vite fait, hein. T'es qui? T'es perdu, toi, hein? Ouais, dégage de chez moi. Dégage de chez moi, sinon ça va pas le faire. Je vais m'énerver. Demande à Massilia comment ça s'est passé la dernière fois. Bon, il me dira, oh, on leur a pris des terres. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, ils savent pas ce qui leur arrive sur la tronche, là. Ok. Ok. Ouais, tout ça, on est bien. Oh là là, oui, on est bien. On va s'avancer encore, hein. Il y a quoi là? Il y a 6 pauvres unités. Bonjour. Nous sommes en route. Ne vous en faites pas. Nous arrivons. Ouais, je vais avancer des unités. Et j'hésite même à aller sur Pergamon. Hein, rien. Ils ont une petite ville. Ils sont alliés avec Rhodes. Qu'il faudrait que j'attaque les deux en même temps, c'est pas à mon avantage. Quoique, regardez là. On va essayer de faire d'une pierre deux coups. Je recruterai des mercenaires sur place. C'est avec honneur. Dégage. Aller chez Rhodes et. Enfin, chez les Rhodes et chez les Pergames. Accords Vos commerciaux. Marchandises sont excellentes et nous en trouverions certainement à notre goût. Allons-nous donc commercer? Si tu veux. À propos de l'argent. On verra combien de temps ça dure, hein, mais. Intrusion, Rhodes, je vois pas de quoi tu parles. Wow, bah dis donc, il y a du beau monde ici, hein. Oh. Ah là là. Et si je peux lever la dernière unité. Celle qui me manquait. Oui. Au niveau de hacking, voilà, j'avais mon armée, les héros de la mort. Je vais très très vite envoyer au niveau de Tur. Bah dis donc, il y en a du. Encore 3 tours de route. Tur, je vais lever un général à Galice. Ah bah, ma reine du coup, à Galice. Tac, et un dernier à mon Régis. Je pourrais pas lever plus d'armées. Je vais lever une flotte. Ouais, j'ai quelques mercenaires ici, ça fera l'affaire. Hop là. Là, ça se passe bien, on va aller à Tanaïs hein, avec eux. On va s'avancer, hein. Pergamon, qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh là là. Ah ouais, mais ils sont là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bon, attends, les Galates, ils nous embêtent plus, hein. Attends, ils meurent de faim. Ils meurent totalement de faim. Ah oui, je les avais oubliés aussi. Allez, résolution mal équilibrée. Bonjour à vous. On va occuper, allez. Voilà. On a refait tomber une autre ville. Des pontes. Traité de paix, ouais, il voit qu'il va disparaître. Hein. Tout simplement. Voilà, comme ça en plus, on prendra presque entièrement possession de la
enfin avec nos alliés hein, de la mer Noire. Voilà. Là on va enquiller sur Tinsketa là. Attends, on va attendre un peu quand même. On va attendre un peu. Là on est très bien ici. Hein. J'ai pas une armée dans quoi moi. Oui elle est là, je suis vigileux. Alors ici. On va simplement les faire aller là. Je vais lever des hoplites mercenaires vétérans. Et hoplites mercenaires. Ouais, il manque une unité. Tous les Ophloy, c'est bien ça, tous les Ophloy. À ce niveau-là, on va le ramener là. Enfin, c'est parfait. Et je vais leur déclarer la guerre. Je vous salue et vous accorde mon attention pendant les quelques prochaines minutes. Ok, les Sardes n'ont pas voulu rejoindre. Donc je suis plus allié avec eux. Voilà, ils sont lâches. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, tout simplement je reprendrai le territoire aux Sardes. Hein. Voilà. Tour prochain, on les attaque. C'est pas plus compliqué. Voilà, on va développer bien sûr nos villes hein, également, au passage. Trapezos. Il va leur signer un 4 sur 10. Ça rapporte beaucoup, 300. Ouais, plus 100, ça rapporte bien 100. Ok, donc on est en guerre là, on est en guerre contre Rhodes, c'est parfait. Et on verra le dénouement lors du prochain épisode. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. J'ai commencé un let's play sur Civilization 5. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Voilà, il sera diffusé tous les 2-3 jours. Il y aura un épisode, 3-4 jours, on verra. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao.